Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment vous allez pouvoir utiliser ChatGPT pour compléter un Google Doc ou un fichier Word et vous allez pouvoir gagner énormément de temps parce que vous allez pouvoir lui demander toutes les indications que vous voulez pour avoir le meilleur rendu possible en moins de 3 minutes. Premièrement, vous allez télécharger votre Google Doc ou si vous avez un document Word directement, hop, je vais télécharger en format Microsoft Word DocX. Qui va s'enregistrer juste ici. On va aller dans ChatGPT et on va directement déposer notre fichier. Et donc ici, je vais lui demander, fais-moi une mise en forme de manière à ce qu'il y ait un titre en gras. Tu vas faire un exposé sur la conquête spatiale bien structuré, sans faute d'orthographe, avec des titres pour chaque partie et une conclusion, il faut juste rajouter au début, bien sûr, modifie ce document. Et là, directement, il va se mettre au travail, il va analyser le document. Hop, directement, vous pouvez télécharger l'exposé. Là, il va se télécharger et on va aller voir directement le rendu fini. Là, je vais l'ouvrir sur Microsoft Word. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc, on a exposé sur la conquête spatiale, groupe 5. Donc, ici, on a une introduction. On a les parties que j'avais demandées, sans faute d'orthographe, bien structurées. Mais on peut encore aller plus loin. Peux-tu illustrer chaque partie avec des images générées grâce à DALL-E dans un style galaxie spatiale future? Et là, il va me générer en plus des images que je vais pouvoir utiliser dans le document pour illustrer chaque partie à partir de mon DocX. Donc là, il m'a généré des sublimes images grâce à DALL-E et il les a mis directement dans le DocX. On peut cliquer sur le fichier et vous allez voir qu'il a bien mis les images à l'intérieur. Juste ici, on retrouvera les images pour présenter chaque catégorie. Et bien sûr, vous pouvez aller encore plus loin en donnant bien plus d'indications, en même en utilisant d'autres fonctionnalités de ChatGPT pour modifier ou créer des documents Word. Et comme vous pouvez le voir, vraiment, ChatGPT nous fait gagner énormément de temps. Et voilà, maintenant vous savez comment utiliser ChatGPT pour créer des documents Word ou modifier des documents Word comme vous voulez.